Nous allons voir l'un des cas de fake les plus classiques lorsqu'on nous présente une preuve en vidéo. On nous explique, regardez, on vous manipule, et on peut se dire, bah, oui, il y a un problème. La vérité, c'est qu'on comprend même pas ce qu'on voit tellement la qualité de la vidéo est dégradée. Moi qui parle beaucoup de l'espace sur la chaîne, j'en ai vu passer des milliards qui cherchent à nous convaincre que la NASA nous manipule, ou soi-disant des preuves de l'existence des reptiliens parmi nous. Alors, prenons un exemple qui a beaucoup circulé dernièrement. Il est lié à un dirigeant politique, mais on va voir juste après qu'il y en a d'autres qui tournent et qui désinforment dans l'autre sens. Donc, comme d'habitude, peu importe votre opinion sur lui, là on va se concentrer sur le type de désinfo qui est utilisé. C'est donc Vladimir Poutine. Dans ses apparitions publiques en février 2022, on s'en souvient, il se montrait souvent dans une position où il tenait les gens à distance, qu'il s'agisse des chefs d'État qu'il recevait, ou même de ses collaborateurs. Des gens avaient d'ailleurs fait des caricatures de cette fameuse table. Or, le 5 mars, a été diffusée une vidéo de Poutine assez différente, où il recevait un groupe d'hôtesses de l'air et personnel navigant pour discuter de l'Ukraine, et là, il se tenait cette fois au milieu de tout le monde, ce qui, du coup, a fait dire à certains qu'il devait s'agir d'un fake, et que cette réunion n'avait sans doute pas vraiment eu lieu, et même que c'était probablement une vidéo tournée sur fond vert où il avait été incrusté dans l'image par trucage. Et pour appuyer ça, ils avançaient une preuve, à un moment de la vidéo, regardez là, Poutine a un geste de la main qui semble trahir un trucage vidéo mal fait, puisque sa main passe à travers le micro devant lui. Ce qui est physiquement impossible. Hein. Donc, est-ce une preuve convaincante? Non mais c'est pas la peine de réfléchir, hein. La réponse c'est non direct. Vous allez voir, c'est claqué au sol comme preuve. Juste avant, regardez, autre exemple, mais d'un autre bord, comme ça tout le monde est content, figurez-vous qu'on a vu exactement le même genre de soi-disant preuve, toujours en mars 2022, mais cette fois concernant des vidéos du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, genre, il fait semblant d'être toujours dans sa capitale encerclée, mais c'est du fake, tourné sur fond vert avec le décor qui a été rajouté, ça se voit trop, regardez, là clairement, il y a des problèmes d'incrustation autour de lui, même en arrêt sur image, il y a son bras qui disparaît. Là aussi, on peut se dire, il y a un problème. Surtout si on est contre le président dont on nous montre l'image. Hein, on a vite fait d'accepter tout ce qui va dans le sens de nos opinions, et de se laisser convaincre que oui, bah là c'est clair, on nous ment. Reste à savoir qui ment à qui. Le premier truc à remarquer, c'est que ces preuves apparaissent toujours dans des vidéos en qualité bien moche. Et ça déjà, c'est un indice du subterfuge, parce que si on prend par exemple des images de JT en 2022, c'est de la qualité HD. Alors, pourquoi les versions qui circulent dans ces preuves sont toujours en mauvaise définition? Ben parce que justement, si on vous montrait la version en haute qualité, le problème n'apparaîtrait pas. Mais sur les versions en qualité dégradée apparaissent des artefacts, c'est-à-dire des effets artificiels, des déformations de l'image qui sont dues justement à la dégradation de la vidéo, et qu'on vous réinterprète pour vous faire croire à de fausses preuves, comme quoi on vous aurait menti, mais c'est à ce moment-là qu'on est en train de vous mentir. Pour la vidéo de Poutine, vous voyez, l'image n'est pas d'excellente qualité, les visages des personnes sont un peu flous, parce que la résolution n'est pas excellente. Donc, on n'a sans doute pas la version d'origine captée par la caméra en haute définition. Ce qui est la base, hein, pour toute caméra d'aujourd'hui, au moins du 720p, c'est-à-dire 720 pixels en hauteur. Là, ce qui circule, c'est une version dégradée avec une qualité de vidéo baissée, peut-être en 360p ou 240p, pour obtenir un fichier moins volumineux, qui se charge plus vite sur les réseaux. Peut-être aussi qu'on a changé son format, du MOV ou MP4 ou autre. Enfin voilà, ce genre de transformation du fichier vidéo altère sa qualité et génère au passage des artefacts, surtout sur des mouvements comme ici sur le mouvement de la main, où l'image est déformée. Comment ça s'explique techniquement? Ça tient à la manière dont sont faits les fichiers vidéo. La compression d'une vidéo consiste à ne pas garder toutes les images de la vidéo, sinon ce serait trop lourd à stocker, donc on stocke juste des images clés, toutes les 10 images par exemple, c'est comme ça qu'on peut obtenir des fichiers de taille plus réduite, et donc plus facile à faire circuler sur les réseaux. Mais voilà, si la vidéo est très compressée, sur des mouvements rapides comme avec la main de Poutine, ici on perd trop d'informations au passage, et ça crée ce qu'on appelle du data moshing. Au moment du décodage de la vidéo, le mouvement va être mal restitué. Ça va donner à l'image des effets comme ça, où la main a l'air de passer à travers le micro, parce qu'en fait ici on a deux images qui se superposent mal, il n'y a pas assez d'infos entre les images clés pour reconstituer une image fidèle, et ça nous génère du coup une image où la main est mélangée au micro. Alors, comment peut-on faire pour lever le doute sur ces images? Ben, comme d'hab, en fait, il faut remonter à la source. Retrouver la vidéo originale avec sa qualité maximum. Là, par exemple, quand on vous parle d'une vidéo d'actualité, vous avez le sujet, vous avez les dates, ou à peu près les dates, il va suffire d'une recherche assez rapide pour la retrouver en différentes versions, et parmi ces versions, la retrouver en qualité HD non dégradée. Et là, ben, on voit bien que la main passe tout à fait normalement derrière le micro, et pas à travers, évidemment.
donc il n'y avait aucun trucage sur ce passage de la vidéo qu'on nous présentait pourtant comme une preuve. Pareil pour la vidéo de Zelensky, hein, c'est le même principe. Dès qu'on regarde la vidéo en HD, on s'aperçoit que là aussi, on nous a pointé ce qui n'était que des artefacts. Il y a peut-être des gens qui découvrent ce phénomène à l'occasion de cette vidéo, mais sachez que dans le monde du fake, ça c'est un classique. Et c'est le cas, bien évidemment, dans les vidéos d'OVNI. Demandez-vous pourquoi, comme le souligne bien ce petit schéma, qui n'est pas un vrai graphique, hein, c'est de l'humour, à une époque où la qualité des appareils photo des smartphones augmente sans cesse, et où le moindre téléphone filme en HD maintenant, pour les ovnis, non, ce sont toujours des vidéos de qualité dégueulasse qui circulent, avec des trucs dessus qu'on a toujours du mal à identifier, sauf quand la personne qui fait circuler la vidéo vous explique ce que vous devez y voir, bien entendu. Ce n'est pas en haute définition ? Je freine sur l'interprétation.